Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Algérie 2.0, le rendez-vous IT par excellence. Je m'appelle Abdelaziz Kmous et j'aurai l'honneur d'animer ce workshop sur le thème de l'agilité, intitulé How to Build an Agile Team Mindset ou Comment construire un état d'esprit d'une équipe agile. Dans ce workshop, nous allons aborder des sujets clés qui pourront vous aider à mieux voir et comprendre la philosophie agile et comment vous pouvez l'appliquer au sein de votre organisation. Je me présente, je suis Abdelaziz Kmous, je suis ingénieur en informatique, actuellement product owner chez Amploatic. Je suis également certifié Scrum Master et Scrum Product Owner. Amploatic a 15 ans d'expérience pour ceux qui la connaissent. Aujourd'hui, ces activités vont au-delà des recrutements en ligne. Amploatic propose des technologies et des services RH 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle vous offre des outils optimaux pour la digitalisation de vos process RH de A à Z. Revenons à notre problématique. La première question à se poser est pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin d'un état d'esprit agile au sein d'une équipe ou d'une organisation? Alors, si on pose la question autrement, dans le monde du développement RH, comment concevoir des applications dans un monde où seule la vérité est l'incertitude? Je vous donne un exemple, celui des méthodologies de développement anciennes, tels que le waterfall, où l'utilisateur est déconnecté du produit jusqu'à la phase finale où il est souvent déçu, car peut-être l'équipe de développement n'a pas très bien compris son besoin, ou tout simplement le besoin a changé en cours de route et qu'il n'a pas pu leur communiquer ce changement. Et c'est principalement ces deux causes qui causent l'échec de tout projet de développement logiciel. Pour répondre à cette question, en fait, la réponse pour cette question, elle se trouve dans le VUCA World, ou le monde perturbateur dans lequel on vit. VUCA World est l'acronyme de volatilité, c'est-à-dire un monde volatile où ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas probablement demain. L'incertitude, c'est un monde incertain dans lequel on vit, où les décisions prises dans un contexte précis, peuvent s'avérer fausses si un ou plusieurs paramètres à la base sont erronés ou changent en cours de route. Un monde complexe, tel que la complexité de nos échanges, des protocoles et des problématiques qu'on vit ou qu'on souhaite résoudre. Enfin, un monde ambigu, c'est-à-dire la confusion qui existe entre les causes et les effets, ou la mal compréhension des réalités existantes. Tout simplement, en fait, nous avons besoin d'être agiles pour faire face à ce monde perturbateur, pardon. Si vous voulez appliquer ces quatre composants dans la réalité, procédez sur la crise COVID qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre, et vous allez voir que chaque effet qu'on a vécu correspond parfaitement à la description du VUCA. Pour résumer, la première vérité dans un état d'esprit agile est déjà de comprendre et accepter cette réalité. Revenons à la description de l'agile mindset. En fait, ce terme est assez nouveau. Il a été utilisé pour la première fois en 2010 par un docteur qui s'appelle Ahmed Sitri, qui est un des leaders de la pensée agile dans le domaine du développement logiciel, qui décrit l'état d'esprit agile à la fois comme un prérequis et un conducteur des valeurs et principes du manifeste du développement software. Il présente cette théorie à travers cette illustration. Tout d'abord, il décrit l'agilité comme un état d'esprit
À partir de cet état d'esprit, il décrit, enfin, cet état d'esprit, pardon, est décrit par quatre valeurs qui, à leur tour, définissent les 12 principes du développement software. Et enfin, ça découle sur une infinité de principes qui sont en fait des principes, par exemple, des pratiques. Voilà. On va détailler ensemble chaque niveau de cette illustration pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il. En fait, le premier niveau dit que l'agile mindset est un ensemble d'attitudes, pardon, qui portent, enfin, pour chaque individu porte. Au-delà des aspects techniques décrits par l'agile mindset concernant le développement en software, on peut résumer ces attitudes-là en quatre points. Premièrement, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire que l'individu doit être honnête envers lui-même, envers son équipe et aussi vis-à-vis l'organisation dont il appartient. Deuxièmement, c'est d'être engagé et responsable, s'engager à réaliser ses objectifs individuels et organisationnels, avoir de la rigueur dans ses comportements vis-à-vis les personnes et les process établis dans l'organisation. Et enfin, être ouvert à l'apprentissage et l'amélioration. De cet état d'esprit-là découlent les quatre valeurs qui sont établies par l'agile mindset. Premièrement, les valeurs décrivent que les individus et les interactions viennent avant les process et les outils, c'est-à-dire qu'on favorise les personnes par rapport aux process et aux outils, car c'est les personnes qui guident les process et répondent aux besoins de l'entreprise ou l'organisation. Deuxièmement, avoir un logiciel fonctionnel vient avant la documentation, c'est-à-dire tout ce qu'on est comme, je donne l'exemple, les spécifications techniques, fonctionnelles, en fait, est décrit comme gaspillage, comme un gaspillage. Et contrairement à ce que certains disent, l'agile ne néglige pas la documentation, mais en fait, il priorise le logiciel fonctionnel sur la documentation. Troisièmement, c'est collaborer plutôt et souvent avec le client, c'est-à-dire que le client est acteur dans le modèle, il valide chaque étape du développement. Quatrièmement, s'adapter au changement. Plus important que suivre le plan, c'est-à-dire voir les demandes du changement comme une opportunité pour donner de la valeur ajoutée aux utilisateurs. De ces quatre valeurs découlent les 12 principes du développement en software. Ils sont établis en 2001 par un groupe de 17 praticiens ou 17 experts du domaine de software. On peut les résumer dans ces points, en fait. C'est premièrement le focus sur le client et l'utilisateur. Deuxièmement, construire un MVP rapidement et recueillir les feedbacks des utilisateurs et collecter les data pour une meilleure prise de décision. Troisièmement, c'est faire travailler le business et les équipes de développement ensemble pour avoir une synergie meilleure. Encourager l'auto-organisation au sein de l'équipe.
favoriser les échanges face à face plutôt que les moyens classiques. Créer l'équilibre avec un rythme de travail soutenu et opter bien sûr pour la simplicité des process, des produits, etc. Et surtout, apprendre des leçons de chaque échec ou réussite au sein de l'équipe. La dernière couche de cette illustration, en fait, nous démontre que les pratiques agiles sont partout et sont très diversifiées. Certains sont populaires, d'autres moins. Et bien sûr, il y en a qui ne sont pas encore utilisés ou ne sont pas encore découverts. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est vous, en tant qu'individu ou équipe, c'est à vous de trouver la valeur ajoutée qui correspond, pardon, à vos équipes et à votre organisation. Et pour cela, il suffit de d'abord faire des hypothèses, faire expérimenter ces hypothèses, les vérifier et les remettre en question avec des feedbacks et des données. Surtout ne pas avoir peur de faire des erreurs et donner la main aux équipes de s'auto-organiser et de trouver leur propre équilibre. Et tout cela va vous permettre en fait de créer et adapter votre propre méthodologie agile. Nous terminons sur un point très important, en fait. En fait, c'est le paradigme du being agile versus doing agile. Malheureusement, beaucoup d'organisations se disent agiles, mais sans faire la différence entre être agile et faire de l'agile. Être agile, c'est de partir du mindset vers la pratique à travers la mise en pratique des valeurs et des principes du développement ou de l'agile et aller vers la pratique. Faire de l'agile, par contre, c'est de commencer par la pratique et essayer de faire sens inverse pour arriver à un état d'esprit qui est plus difficile en fait et souvent ça va causer l'échec de toute transformation agile au sein des équipes ou des organisations. Pour illustrer un peu ce problème ou ce dilemme, je vous donne un exemple d'une équipe agile. En fait, cette équipe, elle utilise du Scrum. Ils respectent bien les différents événements et ils font leur sprint planning. Ils respectent le daily sprint. À la fin du sprint, ils font leur sprint démo, leur sprint rétrospective et font également d'autres activités telles que le release planning. Et la question qui se pose, est-ce que cette équipe-là est en train de faire de l'agile ou cette équipe-là est agile ou a le being agile? En fait, pour répondre à cette question, tout simplement, faire de l'agile, c'est toutes les activités en fait, qui sont recommandées ou exigées par un framework ou une méthodologie X. Les différents événements, les différentes enfin, soit outils, soit pratiques recommandées. Mais le être agile, le being agile, c'est tout le reste sur le temps. C'est 80% du temps de l'équipe. C'est là où ils mettent en pratique les valeurs, avant des valeurs, le mindset, l'état d'esprit, les valeurs et les principes de l'agilité. C'est là où l'équipe est, on peut dire que cette équipe est agile. Et voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre workshop. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je serai ravi de répondre à vos questions.
à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos feedbacks, vos questions sur mon LinkedIn ou sur Twitter. Bah, je serai ravi d'essayer de répondre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.